the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the far west, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Et pour conclure simplement, je dirais que vous êtes le fer de lance de la modernité qui va enfoncer le clou de la tradition dans les méandres d'un avenir tout droit tracé. Je vais maintenant laisser la parole au sous-directeur pour les ultimes recommandations. C'est notre dernière chance, Charles Edgar. Si ça ne marche pas, nous devrons fermer l'usine. Je sais, Charles Edgar, je sais. Nous allons répéter une dernière fois. Vous arrivez dans une ville, vous distribuez à tous les passants un échantillon, un seul par personne, de cactus tonus, emballé dans ce superbe paquet cadeau, et vous dites... C'est Noël ! En ce jour solennel, nous vous offrons cette boisson, cactus tonus, les bulles en plus ! Messieurs, buvons à la réussite de l'opération Père Noël, qui va faire connaître cactus tonus de Santa Fe à El Paso. On ne m'ôtera pas de l'idée que nous avons eu la main un peu lourde sur les bureaux. La frêle cesse de bouger! J'ai envie d'éternuer, Joe! Retiens-toi! Pour une fois, c'est pas moi qui me fais enguirlander. Il va y avoir de l'andouille farcie au réveillon. On pourrait pas avoir une échelle? Pour que vous vous évadiez, pas question. Hé, hey, Bob, goûte-moi un de ces délicieux chocolats fourrés. Il y a de la pomme. Ouais, il y en a aussi. Il y en a d'autres. Allez, allez, au boulot. Qu'est-ce que tu fais, Lou? Oh. Aidez-moi, imbécile! Il y a pas à dire, c'est pour les hommes. C'est du brutal. Si les Dalton ne viennent pas au sapin, c'est le sapin qui ira au Dalton. Ouais! Joe, t'es génial. Ma frêle, une guirlande. Oh, oh, oh. Avril, pour celle-là! C'est grâce à moi si on s'est évadé, hein? Vous pourriez me remercier tout de même, me dire quelque chose de gentil. La merde, Avril! Ah, ça m'a rappelé Lulu, là. Eh, ben ça alors, les Dalton se sont évadés. En plus, ils ont piqué les décorations du sapin. Prévenons Lucky Luke, il a l'habitude. On le préviendra plus tard. On va quand même pas lui gâcher son Noël. Chérie, t'es sûr de n'oublier personne? Ce soir, mon vieux Jolly Jumper, nous allons nous faire un réveillon entre hommes. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Oh, mon cher Luc, nous vous cherchions. Êtes-vous libre pour le réveillon? Monsieur le maire, je... Nous serions honorés si cette année, enfin, nous pouvions vous compter parmi nous.
C'est que j'avais déjà prévu... Allons, allons. L'année dernière, vous couriez derrière Billy the Kid. Il y a 2 ans, c'était Jesse James. Cette année, vous n'avez aucune excuse. Surtout que Margaret a confectionné une tarte en votre honneur. Elle a toutes les qualités de sa mère, vous savez. Donc, c'est entendu. Ce soir, 9h. À ce soir, Monsieur Luc. Et l'odieux traquenard se referma sur le malheureux cowboy. J'ai le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. Tu peux compter tes abatis, Lucky Luke. Je sens que je vais postuler comme monture bénévole auprès du père Fouettard. Steve ! Pour une fois, ça m'aurait bien arrangé que les Dalton s'évadent. Patrick Gulch, après avoir goûté au cactus tonus, ils ont couvert Wesley et Longfellow de goudron et de plumes. Et Bishop, il m'a dit gros mignon, chef Apache, après on a ouvert, voulait déterrer la hache de guerre. Regardez, c'est quoi ce bruit? Mais les gars, on peut dire que vous avez eu sacrément de la chance tombée sur nous. On peut pas en dire autant pour vous. Les Dalton ! Afrel, t'avais besoin de conserver cette hotte ? Un Père Noël sans hotte, c'est pas un vrai Père Noël ! C'est quoi ton plan, Joe ? On va aller discrètement à la banque pour y retirer de l'argent. Discrètement, c'est réussi, Joe. Tout le monde nous regarde. Normal. Ils nous prennent pour des Pères Noël. On sourit et on salue. Aimable, gracieux et sympathique. Oh, regarde, Steve, des Pères Noël. Bonjour. Alors, mon petit... Qu'est-ce qu'on dit au Papa Noël? Qu'il est moche. Tu vas voir si je suis moche, sale môme. Du calme, Joe. Aimable, gracieux. Et sympathique. Vous n'avez pas honte? Mais qu'en a-t-il pensé du Père Noël maintenant? Il est moche et qu'en plus il pue du bec. Tu sais, Joe, il a raison, t'as pas très bonne haleine. Steve, c'est pas bien, je le dirai à maman. J'avais me faire une omelette au lardon. Joe, non. Pense à la banque, Joe. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Beaucoup de bonheur. Oh, Freddy, mon vieux, va falloir ralentir la limonade. V'là que tu vois quatre Père Noël. Joyeux Noël. Si c'est pour une quête, on a déjà donné l'année dernière. Allons, allons. Il faut être généreux le jour de Noël. Après, planque ça dans ta hotte. Que fait cet imbécile d'Avrel? Me voilà, Joe! Me voilà! J'ai... Joe! Lucky Luke! Lucky Luke! Planquons-nous! Joe! Il m'a vu! Qu'est-ce que je fais? Le Père Noël, imbécile! Oh! 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 Joyeux Noël, les enfants! Distribue, distribue! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Pour vous faire plaisir! Joyeux Noël! C'est gentil, venez
me voir. Je vous ferai une remise sur votre cercueil. Ce soir, hein, n'oubliez pas, Margaret sera si heureuse. Aucun risque, monsieur le maire, aucun risque. Joe, j'ai pas distribué tous mes cadeaux, moi. Avril, c'est pas des cadeaux que je vais distribuer. Nothing. Nous allons pouvoir vérifier si la distribution s'est déroulée comme prévu et s'ils n'ont pas jeté les paquets au fond d'un canyon, comme dans la ville voisine. Ils sont capables de tout, Charlotte Gall. De tout. Au secours ! Des Pères Noël viennent d'attaquer la banque ! Qu'est-ce que je disais ? C'est eux ! Là ! Arrêtez-les ! À mort, les Pères Noël ! Au sapin ! Prenons-les ! Vous commettez une effroyable méprise. Mais nous sommes d'honorables industriels. Au sapin! Au sapin! Au sapin! J'ai aussi un choix des chênes et des cèdres du limbo. Au sapin! 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 Ce sapin est suffisamment décoré. C'est une question de goût, hein, ça se discute. Mais enfin, que se passe-t-il ? Ils ont attaqué la banque. Leurs deux complices ont pu s'enfuir. Pas pour longtemps ! Ils étaient quatre, dites-vous ? On m'a volé quatre chevaux ! Ce sera trop beau. Les Dalton, ils nous ont volé toutes nos affaires. Mon cher Luc, une tempête se lève. Ce n'est pas le moment de partir à la poursuite des Dalton. Restez au moins pour le réveillon. Inutile, monsieur le maire, je sais ce que j'ai à faire. Oh, Steve, attends si je t'attrape. Allons, Johnny Jumper, tu vas pas me faire ça. Je ne sors pas. Lui, il a un manteau, moi je n'ai que des poils. Au retour, je t'offrirai une belle selle toute neuve. Non, ce n'est pas un temps à mettre à cheval dehors. Quant à la selle, je sais qu'il l'a déjà achetée. Voyons, on ne peut pas laisser les Dalton en liberté le jour de Noël. Il me prend pour un âne. Son problème ne s'appelle pas les Dalton, mais Margaret. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Encore une autre. Tu m'as dit de planquer l'argent. Je l'ai planqué. Je ne t'ai jamais dit de le planquer dans un paquet cadeau. Moi, quand je planque, je planque. Hein? À tous les coups, cet imbécile l'a distribué tout à l'heure. Eh ben, il y en a un qui aura un beau Noël. Jamais! Ce pognon, c'est mon Noël à moi! Et je ne permettrai à personne de me voler mon Noël! On retourne à Notting Hill. C'est Margaret qui l'a composé, toute seule. Le plus dur, ça a été de trouver les rimes en huc. Il y avait trop d'huc aussi. Ah, mon grand ami ! Il est temps de passer à table. Vous êtes quand même mieux ici que dehors à poursuivre les Dalton, non ? Mon cheval aussi a été du même avis. Surtout que ces crapules doivent être loin maintenant. Goûtons à cet étrange breuvage. C'est pas le bon paquet, Avril. Hey, Joe. Les croque-morts. Rentrez, cher ami.
c'était pas ce paquet-là non plus. Et la boisson était un peu lourde à digérer. Vous ne voulez vraiment pas rester? Tant pis, Oscar. Nous allons faire la fête rien que nous deux, comme d'habitude. Le chou au gras double, c'est la spécialité de Rebecca. Délicieux, tout à fait délicieux. Vous en reprendrez bien un peu plus. Non, non, merci, c'était un délice, mais il ne faut pas abuser. Par contre, si vous le permettez, je vais en apporter une grosse part à Jolly Jumper. Il n'y a pas de raison qu'il n'en profite pas lui aussi. C'est lui! C'est lui! Comme on se retrouve, Jack, une boule de neige. Joyeux Noël! C'est le Père Noël tout moche qui pue du bec. Oh, je vais en faire de la crépinette! Du calme, Joe! Récupérons le pognon et filons, Joe. Voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est ton cadeau, Zilius. Joyeux Noël! Oh, merci, Rebecca. Et voilà le tien, Rebecca. Joyeux Noël aussi. Oh! C'est tout à fait ce dont je rêvais! Ouais, super! Une Jupiter 60! Joyeux Noël, les enfants! Où est-il? Où est-il? Mais que cherchez-vous donc? Bah, nos cadeaux! Dis-lui, Joe! J'ai commandé un pistolet à eau double action et une bouée en forme de crocodile! La ferme à vrai! Le cadeau qu'on vous a donné tout à l'heure! Ah oui, bah, je ne l'ai plus! Je l'ai offert à Smith, notre voisin, qui est de garde ce soir au pénitencier! Au pénitencier? John Sprech! On pourra même arriver pour la bûche. D'accord. Je te garde une part de tarte. Que se passe-t-il? Les Dalton! Où sont-ils? Ils ne sont plus là. Et pourquoi restez-vous les mains en l'air alors? Quand ils sont partis, ils nous ont dit de ne pas bouger. Et vous savez où ils sont allés? Au pénitencier! Oui, il cherchait un paquet que j'ai offert à mon voisin. Vous savez, Smith, le gardien. Bon, je crois que vous pouvez baisser les bras et que nous allons pouvoir goûter à cette fameuse tarte. Ils l'ont mangé! Qui va là? Dalton! Vous arrivez juste pour la bûche. On veut pas de bûche! On veut voir Smith! C'est bien la première fois que les Dalton ont recours à la force pour entrer et non pas pour sortir. Le cadeau du maire ou la vie? Mais je l'ai plus, je l'ai offert à Lucky Luke. C'est la moindre des choses pour l'homme de foi qui vous a ramené au pénitencier. Joe, ça va? Dis-nous quelque chose, Joe. On rentre à Nottingham. Joe, t'entends? On dirait des clochettes. C'est le traîneau du Père Noël! Je suis sûr que c'est le traîneau du Père Noël! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si, c'est vrai! Le traîneau du Père Noël, il a des clochettes! Sacré à vrai! C'est ça! Et il est tiré par des rennes volants! Ah! Oubliez pas mon pistolet à eau double action! Plus vite, Charlotte Carr! Plus vite! J'ai hâte de rentrer à la maison! Alors, Joe, on confond Noël et carnaval? Le paquet, Luc. Rends-nous le paquet!
Je ne l'ai plus. Je l'ai offert à un mendiant sourd-muet. Mais coincé par le gel. La mienne aussi, Joe. Moi, c'est mes petits doigts, Joe. J'arrive plus à les plier. En effet, garçon, tu es le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. J'espère au moins qu'ils nous ont laissé une part de bûche. Je crains que notre opération Père Noël ne se solde par un cuisant échec, Charlotte-Gare. Personne n'entendit plus jamais parler de Cactus Tonus. Mais quelque part, elle fut un précurseur. Car quelques années plus tard, une célèbre boisson à base de cola utilisera elle aussi pour une opération promotionnelle le personnage du Père Noël. Avec le succès que l'on sait. I'm a bold lonesome cowboy.